Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc Adem, aujourd'hui on va tout simplement passer un vlog avec la famille. On va rester confiné avec vous pendant 24 heures. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va vlogger notre journée, on sait pas du tout ce qu'on va faire. On va s'occuper comme on peut. Vous allez voir, de toute façon c'est la routine, on fait tous à peu près la même chose durant le confinement. Il faut savoir qu'il y a la maladie, le virus qui tourne, il faut pas sortir, c'est très important. Donc voilà la famille, pour cette petite vidéo 24 heures tranquille, maximum de pouces bleus. Et moi je te propose tout de suite qu'on fasse un room tour de la maison pour voir où est-ce qu'on fait notre confinement. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par notre maison, c'est pas malement grand, vous allez voir, à tout de suite, bon visionnage, c'est parti. Perfect. Donc c'est parti pour le room tour la famille. Donc là on commence tout simplement par notre chambre. Donc voilà, on peut tout simplement voir le setup avec les LED lumineuses, les mousses acoustiques, avec les écrans. Là on a le trophée YouTube de la chaîne Adem et Bilal des 100 000 abonnés, la tour PC à 1500 balles, et voilà. Après hein, c'est une chambre quoi, avec la PS4. Il faut savoir que quand on sort, on met obligatoirement des gants, parce qu'il faut se préserver, c'est très important, et le masque qui est très important aussi quand on sort. Et quand vous sortez en général, c'est pour aller chercher de la nourriture et rien d'autre, même si on vous la répète des milliards de fois, lavez-vous les mains, éternuez dans le coude, on sait jamais. Vous êtes avec votre famille, faut la préserver. Bref, en tout cas, voilà le trophée YouTube aussi de la chaîne gaming qui ressemble à ça. Donc voilà, il est tout aussi magnifique, AEB Gaming. Donc voilà dans la description pour ceux qui sont pas abonnés à la chaîne gaming. Et là, regardez, mon lit et le lit d'Adem. Donc voilà, on s'amuse à sauter. Arrête, arrête, tu vas le casser. Allez, on continue. Donc là, il y a la chambre de ma petite sœur, donc on rentre au full bordel. Allez, rentre en dessous du lit. Bref, faut pas trop la filmer. Donc voilà, c'est une chambre de petite fille quoi, avec, regardez ici, on a son bureau. Wesh la famille bien ou quoi? Son petit globe, c'est très important, il veut tourner ici. Wesh doucement. Qu'on a fini, c'est une chambre de fille quoi, de petit bébé. Donc là regardez, on a la salle de bain. Bon, regardez, on pue de la gueule la journée. Donc voilà. Et attendez, regardez. Ah mais gruyère. Combien? 94. Roland. Ça c'est les anciens 24 heures ça. T'as pris combien de kilos? J'ai pris 25 kilos en 3 mois. 25 kilos en 3 mois? Ah mais faut que tu lui poses des questions. Attends, et moi? Moi je faisais 55 kilos. Et maintenant je fais 63-64. J'ai pris 8 kilos. Faites le calcul dans les commentaires. Dites-moi je fais combien de kilos, j'ai la flemme. Donc là on a la baignoire pour se doucher, c'est un balnéo. C'est assez stylé, qu'on a envie de se reposer, se mettre bien. Donc Adem, est-ce que tu veux prendre le relève là? Le relève ou la relève? La relève pour le reste de la maison. Donc voilà, ici on met les affaires ici, on s'en bat les reins. Il est actuellement midi 19, donc voilà, hein, on s'est réveillé hyper tard parce qu'il faut savoir qu'on dort jusqu'à midi. Logique, on galère. Vas-y, fini là. Elle est en train de faire ses devoirs, elle est en appel avec sa classe et sa prof. Arrêtez vos conneries, je suis en couille. Bonsoir. Le micro il est pas activé de toute façon. Ah t'as pas activé le micro? Non. Vas-y active. Dégage. Vas-y viens, on leur parle un petit peu. On dit bonjour madame, comment allez-vous? Au revoir. Dégagez. Je vous présente mon endroit préféré. Bah, l'endroit préféré d'Adem durant dans toute la maison. Bah bouge, qu'est-ce que tu fais? Ah tu vas vraiment chier là? Bah ouais j'ai envie. C'est parti pour 25 minutes. Casse-toi en fait, je vais faire caca. Il faut savoir que les gens ils se battent pour ça. C'est grave important, il faut le préserver. C'est vrai, il faut faire attention à ça. Bon, vu que moi j'utilise un par caca, on en achète un paquet. Et il faut savoir que c'est en travaux les chiottes. Ah bah je te laisse. Bon là on se retrouve dans le lieu où tout le monde est. D'ailleurs ma place. La salle à manger. C'est là que je mange. Moi je mange juste ici. Waouh, regardez, c'est paradisiaque, franchement c'est magnifique. Ça fait tropical. Donc là je vous présente le lieu de vie. Voilà, on regarde tous la télé. Voilà ici le canapé, vous connaissez. Comme ça, voilà, tranquillou. Voilà ici la télé, c'est là où je regarde toutes les recettes de bouffe. Tu fais quoi? Mon deuxième lieu préféré. Par contre celles-là, elles sont vraiment belles. Oh là 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 là, elles sont trop belles. Adem assis sur le trône. Donc on continue, j'ai enlevé mon bonnet, il me gênait. Donc là on est dans la cuisine, donc voilà le meilleur endroit d'Adem pour manger et de Bilal pour cuisiner. Donc voilà, on a un plan de travail, on a de la viande, de la dinde. Justement c'est pour après, vous verrez avec quoi on va faire ça. Justement regardez, mon père il a fait du pain. Voilà, même le père il s'y met au travail. Vous avez vu, tout le monde participe dans la maison, on a rangé la chambre. Tout le monde a une tâche. Nous en plus on fait des vidéos, c'est un kiff, c'est pas une tâche, on est d'accord. On kiffe vous filmer notre vie, franchement. Je sais qu'il y en a, vous vous en battez les reins. Mais voilà, avec ici on a un petit micro-ondes, un petit four. Le soir Adem il avait faim, il est descendu, il a cassé l'armoire. Voilà, c'est ça quand il a faim le soir. Après, regardez ce qu'il y a en réserve. Donc du pain de mie, des 4 quarts, du pain au chocolat, du cappuccino. Il y a presque un mois de course qui est parti en fumée avec Adem qui mange tout le temps. Arrête de mentir. Donc là, il y a du sucre, des pâtes. Et normalement, il y a un autre placard rempli de pâtes. Le voilà avec du riz et tout. Ici, nous avons le frigo. Voilà, le frigo, ça va avec du coca, des boissons, de l'eau, du lait. Faut savoir qu'on a fait les courses il y a 2-3 semaines. Et ça va pour tout ce qui reste. On s'était blindé en course. Avec ici, bah ici, c'est le réfrigérateur. Il y a de la bouffe au frais. Donc ce sera tout Adem. Hein. On a tout fait. On a fait la cuisine, on a fait toute la maison. Le seul point qui reste de la maison, c'est le jardin. Il faut savoir qu'on a un bon grand jardin dans la maison. Ça fait plaisir, on va tout de suite dans le jardin. Alors là, la famille, on se retrouve dans notre jardin. Voilà, regardez. On
On peut voir que c'est vraiment grand, regardez, la terrasse elle est magnifique. Avec une grande table où on mange l'été quand il fait super chaud. Ici c'est la pause, thé, café, voilà franchement, c'est super. Ici on se retrouve au jardin où on peut faire par exemple des grosses bicyclettes. Gros larme hein. Ici c'est l'enclos des poules. Et là normalement il y a les poules, donc voilà l'enclos. Oh la dème, avec la balançoire et le punching ball, une petite démo. C'est tout? Comment ça c'est tout? Ce qui est bien, c'est qu'on peut pas perdre la forme. On peut toujours s'alimenter en physique et ça c'est bien. Ici on a la piscine. Elle était vide, hein, c'est rempli grâce à la pluie. Voilà la cabane où mon père range ses outils de travail. Franchement c'est assez stylé ici aussi. 24 heures dans la cabane de mon père. Non, il y a pas de play. Ah bah si, on peut mettre la play, il y a un disjoncteur. Ouais, on peut ramener le PC et tout, il y a un disjoncteur. Ici c'est le barbecue. C'est ici qu'on fait nos barbecues où je déglingue les steaks. La viande on la pose ici. Et on la mange ici. Bien sûr avec plein d'herbes, voilà, des buissons assez stylés. Des arbustes tout autour de la maison. Et oh les petites poules, venez non. Allez, il a un mois l'œuf. Regardez la poule, elle sort. Moi j'en suis sûr qu'elles ont peur de venir parce qu'à ça on va les cuire au barbecue après. Il faut savoir qu'elles pondent des œufs un peu partout dans la maison, dans le jardin. Et voilà, je suis sale maintenant. Plus besoin d'acheter d'œufs en magasin. On a juste les poules, elles pondent et on mange des œufs gratuitement. Bon là on a une troisième terrasse dans la maison, donc la voilà, pour s'asseoir, pour discuter. Alors on dirait même pas qu'il y a le virus dehors. Alors là la famille on rentre dans une serre. Donc ici on est en train de préparer notre propre potager. Justement parce qu'avec le virus on peut presque plus aller en magasin ni manger de fruits et légumes. On est en campagne, on a de la chance d'être en campagne parce qu'on peut se faire nos propres carottes, nos propres salades, notre propre tomate. On peut pas tout acheter, on a juste à acheter les graines. Et voilà ce que ça donne. Voilà on prépare hein. On peut planter des choses. Donc là c'est en préparation. Et j'aime vraiment cette ambiance tropicale. Perfect. Re la famille, donc là regardez, vous pouvez voir la magnifique table avec de la viande, de la dinde, avec des salades vertes, des tomates, du poivron, des oignons grillés, là des sauces. Après on va ramener la boisson mais là on a le temps. Et là regardez le pain fait maison par mon père. Donc voilà c'est du pain oriental, occidental. Donc c'est parti Adem, on passe au montage de la faritas je pense. C'est pas un taco, c'est une faritas. Ketchup, mayonnaise. Et là vous étalez bien un petit peu partout comme ça. Je prends un petit peu de salade comme ça et je l'éparpille sur la faritas. Du petit poivron, deux tomates parce que je suis pas trop tomate. Et là regardez, on met les oignons grillés, on les éparpille bien sûr. Il faut bien se laver les mains, c'est très important vous savez. Voilà pour les oignons. Après vous prenez du blanc de dinde, voilà vous l'éparpillez un petit peu partout. Et là de la viande hachée, donc voilà on prend la viande et on vient l'écraser à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Franchement c'est magnifique. Après qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la faritas comme ça. Et là ça c'est un plat de bourrin ça. Là j'ai croqué que le pain. Là il y a toute la garniture, on y va. C'est super bon hein. On ressent toutes les saveurs. C'est magnifique. Adem, viens manger. Bon bah bon appétit à tous. Regardez-moi ça. Vous nous connaissez, hein? Dernière bouchée. C'était divin. Et pour finir, rien de mieux qu'un bon petit coca. Ça démarre la gorge. Ça m'a pété la gorge. Bon, c'était tout pour la bouffe du midi. Enfin, de 15h. Perfect. Bon, de retour dans la chambre. Regardez la famille. Donc là, on est sur les PC. On peut voir la Team JDay. Donc voilà leur clip officiel des 100K. Pour ceux qui sont pas abonnés à la Team JDay, bah allez vous abonner. Franchement, c'est des bons. Et d'ailleurs, la Team JDay, on décide tout simplement de vous nominer pour voir tout simplement votre 24 heures confinées. Donc voilà, montrez-nous ce que vous allez faire durant la journée. Bon courage. 100K. Je connais pas les paroles. 100K. Oh, 100K. Il faut pas avoir la diarrhée. Si tu fais caca, tu n'iras pas là-bas. 100K. Eh hey, bientôt un feat avec Naps, Jules, tout ça tu connais. 100K. Je connais toujours pas les paroles. 100K. Oh. Je tiens à remercier tous les abonnés. Les jaloux les calculent pas. Fuck les rageux. Bon allez on termine ça, force à vous les frères. Gros big up. Bon là la famille on va tout simplement aller sur Fortnite. Donc voilà allez on va faire un petit peu de partie. On va essayer de faire top 1, c'est parti. Donc là on est sur Fortnite. Donc c'est parti, on va se lancer une petite duo. Allez je saute, c'est parti on y va. Eh hey, il est trop stylé ce parachute. Allez on arrive dans la maison, c'est parti. On va essayer de se looter tranquillement. Ah y'a quelqu'un, je l'ai vu. Là je le tue direct. Allez hop, un kill, c'est parti, on continue. Un petit coffre.
Eh, la famille, je vous le dis, hein, si j'arrive pas à faire top 1, je la mets quand même. Hein. Ah, y'a quelqu'un! Et hop, un autre kill, deuxième kill, et voilà, on fait le ménage. Et voilà, Bilal il a fait le ménage comme d'habitude. Je suis mort. Ah, c'est des clones. Allez, c'est parti. Ah, je veux mourir. Fais gaffe. Non, mais l'autre qui me spam, ta grand-mère. Ah, oh, je vais mourir, non, c'est triste de mourir comme ça. Oh non, j'aurais pu les tuer. Bon bah voilà, on a perdu, donc là on va tout simplement continuer à jouer, à faire des petites parties, et sur Fortnite, et sur Rocket League. Dites dans les commentaires, c'est quoi votre jeu préféré. Re la famille, donc là on est en cuisine tout simplement, donc qu'est-ce que je vais faire Adem? Je vais faire une poutine pour toute la maison. Oh là 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 là. Donc voilà, c'est à mon tour de faire à manger. Cet après-midi c'était mes parents, et là c'est moi à mon tour de faire à manger. Donc voilà, là on a des frites, là on a un petit plat, là on a l'huile. Je vais faire une poutine. Pour ceux qui savent pas, allez voir sur internet la recette. C'est une recette à base de frites et de sauce. C'est un truc russe, non? C'est québécois, c'est pas russe. Allez, là on prend les frites, on vient les verser dans l'huile. Bien sûr, c'est des frites fait maison. Voilà la sauce. Voilà, regardez, une magnifique sauce. Les frites sont cuites, donc du coup, on va les disposer dans le récipient. De part égale, hein. Ouais, ouais. Attends, il y en a moins là-bas. Voilà. T'inquiète pas, de toute façon, on ne sait même pas c'est laquelle ton assiette. Je prends celle-là. J'en mets plus là, du coup. Je prends celle-là. Après, vous prenez une cuillère à soupe de sauce. Je sais pas comment elle s'appelle cette sauce. C'est ça qui s'appelle poutine. Bah là, en fait, ça forme une poutine, en fait. Pareil sur l'autre. Voilà. Et pour moi, une dernière cuillère. Vous coupez en lamelles les bouts de cheddar et vous les disposez là-dessus, un petit peu partout. Vous prenez le deuxième et vous faites pareil pour l'autre poutine. Voilà, une fois que c'est terminé, ça donne ça. Donc là, on va les enfourner pour faire fondre le fromage cheddar dessus. Vous prenez vos poutines et vous les mettez là. Le fromage a fondu. Ah, c'est brûlant. Faites attention, ne faites pas ça tout seul. Et le deuxième. Et regardez, bien sûr, ici, il y a ceux de toute la famille. Ma mère viendra les enlever. Bon, Adem, bismillah, on goûte. C'est parti pour la poutine. J'ai une première. C'est onctueux. C'est pourquoi je t'ai regardé comme ça. Parce que j'ai kiffé. Oh, franchement, je vous la conseille, c'est super beau. Regardez-moi ce cheddar. Raou. Donc voilà pour le repas du soir. Du coup, on va finir ça. Ah oui, cet après-midi, on a bu du coca. Là, on boit de l'eau, c'est super important. Eh, hey, alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est l'effet de la caméra, en réalité, c'est pas ouais, du tout ça. C'est un mytho. Regardez ce qu'il fait, il est en train de lécher. Fini. Franchement, gros GG au québécois, c'est magnifique. Perfect. Bon là, la daronne, elle a préparé un petit banana split. Du coup, on va se poser devant Koh-Lanta, là c'est la pub. C'est super bon. Mon père, il est en train de me faire des gribis. Bon, on est en train de les déranger, on se pose. Alexa, éteins la lumière du salon. Hey, petit moment détente. Voilà, on a regardé Koh-Lanta, maintenant on s'est plaisir tranquillement pour finir la journée. Bon, en réalité on fait jamais ça, la dernière fois qu'on a fait ça on avait 9 ans. Du coup là on s'est dit, vas-y ça date, on n'a pas fait de bain, on n'a pas fait de douche. Bon du coup la famille, on arrive simplement à la fin de cette vidéo. On va finir le bain puis après on va aller dormir je pense. Parce que ça sert à rien de filmer le reste, hein. Vous savez ce que c'est aller dormir. Les confinements, bah en fait c'est tout le monde pareil. Ouais, pratiquement pareil, sauf que nous bah on a une maison et un jardin. C'est ça l'avantage, du coup on peut trouver des occupations. Sur ce la famille, maximum de pouces bleus à la vidéo. Partagez la chaîne à vos amis et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Adem et Bilal, salam la famille. Perfect.